Monsieur le maire, chers amis, chers frères et sœurs, dimanche dernier, pour la première des conférences du Carême 2009 consacrée à saint Paul, juif et apôtre des nations, Monsieur Alain Decaux nous a rappelé avec le talent qu'on lui connaît les grands événements de la vie et du ministère de Paul, depuis sa lutte violente contre les premiers disciples de Jésus jusqu'à sa mort à Rome vers l'an 67. En l'écoutant, nous avons retrouvé la figure immense de cet apôtre, ses fragilités et ses faiblesses, ses voyages missionnaires trépidants et sa solitude aussi de témoin du Christ consommé par l'Évangile. En ce deuxième dimanche, je suis heureux d'accueillir M. Giorgio Agamben, philosophe italien, professeur à l'Université de Venise et au Collège international de philosophie de Paris. Dans le cadre de ses recherches en philosophie politique, il a étudié la pensée de saint Paul et publié en 2000 un commentaire de l'Épître aux Romains. Cet après-midi, il donnera la conférence en dialogue avec le père Éric Morin, qui est professeur d'écriture sainte à la faculté de théologie de l'école cathédrale et curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville dans le 19e arrondissement de Paris. Le père Morin a rédigé lui aussi plusieurs ouvrages sur saint Paul, parmi lesquels le guide de lecture proposé par les évêques d'Île-de-France à l'occasion de l'année paulinienne. Cette conférence à deux voix que nous allons entendre pose la question de la messianité de Jésus de Nazareth. Le crucifié ressuscité est-il celui en qui s'accomplissent toutes les promesses faites par Dieu à Israël? De quelle manière et en quel sens Paul va-t-il le comprendre? Comment cette irruption du Messie va transformer son rapport au monde et au temps? Cher monsieur, cher Éric, avant de vous laisser la parole, je vous remercie pour votre présence ici cet après-midi. Je salue également toutes celles et ceux qui sont rassemblés dans la cathédrale et vous qui nous écoutez sur France Culture et nous regardez sur la télévision catholique KTO ou qui nous écouterez en différé sur Radio Notre-Dame. Je vous rappelle que le texte de toutes les conférences de Carême sera publié en un volume qui sortira pour le dimanche des Rameaux, le 5 avril prochain. Nous vous écoutons. L'adresse de l'un des textes les plus anciens de la tradition de l'Église, la lettre de Clément aux Corinthiens, commence par ces mots. L'Église de Dieu en séjour à Rome, à l'Église de Dieu en séjour à Corinthe. Les mots grecs paroikousa, que j'ai traduit en séjour, nomment les séjours de l'exilé, du colon ou de l'étranger, par opposition à l'habitation à demeure du citoyen, qui se dit en grec katoikein. Je voudrais reprendre cette formule pour m'adresser ici et maintenant à l'Église des dieux en séjour ou en exil à Paris. Pourquoi choisir cette formule? C'est que le sujet de ma conférence est le Messie et paroikein, vivre en séjour, est la définition même de l'habitation du chrétien dans le monde et de son expérience du temps du Messie. C'est un terme technique ou quasi-technique car la première lettre de Pierre appelle le temps de l'Église « ο chronos tes paroikias », le temps de la paroisse, pourrait-on traduire, si l'on se souvient que « paroisse » ici signifie encore « séjour en étranger ». Le terme « séjour » n'implique rien quant à sa durée chronologique. Le séjour de l'Église sur la terre peut durer, et il a de fait duré, des siècles et des millénaires, sans que cela change en rien la nature particulière de son expérience messianique du temps. Je tiens à souligner cela contre une opinion que l'on trouve souvent répétée par les théologiens au sujet du prétendu retard de la parousie. Selon cette opinion, qui m'a toujours paru presque blasphème, quand la communauté chrétienne des origines qui attendait le retour du Messie et la fin des temps comme imminente, s'est rendu compte qu'il y avait là un retard
dont on ne voyait pas les termes, elle aurait alors changé son orientation pour se donner une organisation institutionnelle et juridique stable. C'est-à-dire, elle a cessé des paroikein, des séjournées en étrangère, et s'est disposée à katoikein, à habiter en citoyenne comme toutes les autres institutions de ce monde. Si cela était vrai, cela impliquerait que l'Église aurait perdu l'expérience du temps messianique qui lui est consubstantielle. Le temps du Messie n'est pas une durée chronologique, mais avant tout une transformation qualitative du temps vécu. Et dans ce temps, quelque chose comme un retard chronologique, comme on dit d'un train qu'il est en retard, n'est même pas concevable. Tout comme l'expérience du temps du Messie est telle qu'il est impossible de l'habiter à demeure, de même, quelque chose comme un retard ne saurait s'y produire. C'est ce que Paul rappelle aux Thessaloniciens, je cite, « Quant au temps et au moment, de cela il ne faut pas que je vous écrive. Les jours du Seigneur viennent comme un voleur la nuit. » Vient, erketai en grec, est au présent, tout comme le Messie est appelé dans les évangiles « O erkomenos », celui qui vient, qui ne cesse de venir. Un philosophe du XXe siècle, qui avait entendu la leçon de Paul, le répète à sa façon. Chaque jour, chaque instant est la petite porte par laquelle le Messie entre. C'est donc de la structure de ces temps, qui est le temps du Messie, tel que Paul le décrit, que je voudrais vous parler. Or, un premier malentendu qu'il faut éviter à ce sujet, c'est de confondre les temps et les messages messianiques avec les temps et les messages apocalyptiques. L'apocalyptique se situe au dernier jour, au jour de la colère, il voit la fin du temps, il décrit ce qu'il voit. Le temps que vit l'apôtre, au contraire, n'est pas la fin du temps. Si l'on voulait exprimer par une formule la différence entre les messianiques et l'apocalyptique, je crois qu'il faudrait dire que le messianique n'est pas la fin du temps, mais le temps de la fin. Messianique n'est pas la fin du temps, mais la relation de chaque instant, de chaque kairos, avec la fin du temps et l'éternité. Ainsi, ce qui intéresse Paul, ce n'est pas les derniers jours, les temps dans lesquels le temps finit, mais les temps qui se contractent et qui commencent à finir. Or, ou si vous préférez, les temps qui restent entre les temps et sa fin. La tradition juive connaissait la distinction entre deux temps ou deux mondes, les Olam Hazeh, c'est-à-dire les temps qui va de la création du monde jusqu'à la fin, et les Olam Haba, les temps qui commencent après la fin du monde. Ces deux termes, dans leur traduction grecque, sont présents dans les textes des Épîtres, mais les temps messianiques, les temps que l'apôtre vit et qui seul l'intéresse, ce n'est ni le Olam Hazeh ni le Olam Haba, c'est les temps qui restent entre ces deux temps, lorsqu'on divise les temps par la césure de l'événement messianique qui, pour Paul, est la résurrection. Comment pouvons-nous nous représenter ces temps? Apparemment, si on les transpose géométriquement comme un segment sur une ligne, la définition que je viens de donner, les temps qui restent entre la résurrection et la fin du temps, ne fait pas de difficultés. Mais il en va tout autrement si l'on essaye de la penser sur le plan de l'expérience du temps qu'elle implique. Car il va de soi que vivre dans les temps qui restent ou vivre les temps de la fin ne peuvent que signifier une transformation radicale de l'expérience et aussi de la représentation habituelle du temps. Ce n'est plus la ligne homogène et infinie du temps chronologique profane, représentable mais vide de toute expérience, ni l'instant ponctuel et tout aussi impensable de la fin. Mais ce n'est pas non plus un simple segment prélevé sur le temps chronologique et qui irait de la résurrection à la fin du temps. C'est un temps qui pousse
à l'intérieur du temps, qui les travaille et transforme dès l'intérieur. C'est d'une part le temps que le temps met pour finir, mais de l'autre, le temps qui nous reste, le temps dont nous avons besoin pour faire finir le temps, pour venir à bout, pour nous libérer de notre représentation ordinaire du temps. Alors que celle-ci, en tant que temps dans lequel nous croyons être, nous sépare de ce que nous sommes et nous transforme en spectateurs impuissants de nous-mêmes, le temps du Messie, au contraire, en tant qu'un kairos, temps opératif dans lequel nous saisissons pour la première fois le temps, est le temps que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes faits de temps. C'est cette évidence que le Messie nous rappelle. Il est clair que ce temps n'est pas un autre temps qui aurait son lieu dans un ailleurs improbable et à venir. C'est au contraire le seul temps réel, le seul temps que nous ayons. Et faire l'expérience de ce temps implique une transformation intégrale de nous-mêmes et de notre façon de vivre. C'est ce que Paul dit dans un passage extraordinaire qui est peut-être la plus belle définition qu'il ait donnée de la vie messianique. Première lettre aux Corinthiens 7. Je vous l'ai dit, mes frères, le temps s'est contracté. O kairos synestalmenos esti. Le verbe sustello indique aussi bien l'effet d'affaler les voiles que la manière dont un animal se ramasse sur lui-même pour bondir. Je vous l'ai dit, mes frères, le temps s'est contracté. Ce qui reste est que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui plairent comme non plairant, et ceux qui se réjouissent comme non se réjouissant, et ceux qui achètent comme non possédant, et ceux qui usent le monde comme n'en abusant pas. Comme non, c'est osmé en grec. Quelques lignes plus tôt, Paul avait dit, à propos de la vocation messianique, que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il a été appelé. Tu es esclave au moment de l'appel, ne t'en soucie pas, fais-en plutôt usage. Le osmé, le comme non, nous dit maintenant que le sens dernier de la vocation messianique est d'être la révocation de toute vocation. Tout comme le temps messianique vide et transforme de l'intérieur le temps chronologique, ainsi la vocation messianique, grâce à l'osmé, au comme non, est la révocation de toute vocation qui change et vide de l'intérieur toute expérience et toute condition factuelle, juridique, économique, sociale, pour l'ouvrir à un autre usage. C'est un point important car il nous permet de penser correctement cette relation entre les choses dernières et les avant-dernières choses qui définit la condition messianique. Est-ce qu'un chrétien peut vivre uniquement des choses dernières? Un grand théologien protestant, Dietrich Bonhoeffer, a dénoncé la fausse alternative entre radicalisme et compromis, qui consiste, dans les deux cas, à séparer nettement les réalités dernières et les réalités avant-dernières, c'est-à-dire celles qui définissent notre condition sociale et humaine de tous les jours. Or, comme le temps messianique n'est pas un autre temps, mais une transformation du temps chronologique, de même, vivre les choses dernières, c'est avant tout vivre autrement les choses avant-dernières. En tant que les réalités ultimes ont d'abord lieu dans les pénultièmes, celles-ci, contre tout radicalisme, n'oseraient être niées impunément. Mais, pour la même raison et contre toute possibilité de compromis, les choses avant-dernières ne sauraient être invoquées contre les dernières. C'est par le verbe « katargein » qui ne veut pas dire « détruire » mais « rendre inopérant », littéralement « désœuvré » que Paul exprime la relation entre ce qui est dernier et ce qui ne l'est pas. La réalité dernière désactive, suspend et transforme la réalité avant-dernière, mais c'est pourtant en celle-ci
qu'elle se met entièrement en jeu. Voilà ce qui permet de comprendre la situation propre du royaume chez Paul. Contre la représentation courante de l'eschatologie, il faut rappeler que le temps du Messie ne saurait être pour lui un temps futur. L'expression par laquelle il désigne ce temps est toujours « onun kairos », le temps de maintenant. Comme il écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens 6:2, Idunun, voici maintenant les moments à saisir, voici maintenant les jours du salut. Paroikia et parousia, séjour en étranger et présence du Messie, ont la même structure qu'est exprimée en grec par la préposition para, celle d'une présence qui distend les temps, d'un déjà qui est aussi un pas encore, d'un délai qui n'est pas une remise à plus tard, mais un écart, une disjonction à l'intérieur du présent qui nous permet de saisir le temps. Vous voyez bien que l'expérience de ces temps n'est donc pas quelque chose que l'Église pourrait choisir de faire ou de ne pas faire. Il n'y a d'Église que dans ces temps et par ces temps. Or, qu'en est-il de cette expérience du temps du Messie dans l'Église aujourd'hui? Telle est la question que je suis venu poser ici et maintenant à l'Église dédiée en séjour à Paris. Car la référence aux choses dernières semble à tel point disparue du discours de l'Église qu'on a pu dire, non sans ironie, que l'Église de Rome avait fermé son bureau eschatologique. Et c'est par une ironie sans doute encore plus amère qu'un théologien français a pu écrire « On attendait les royaumes et c'est l'Église qui est venue ». C'est une formule saisissante à laquelle je vous prie de réfléchir. Après ce que j'ai dit sur la structure du temps messianique, il est clair qu'il ne s'agit pas ici de reprocher à l'Église les compromis au nom du radicalisme. Il s'agit tout à fait d'autre chose. C'est-à-dire de la capacité de l'Église de saisir ce que Matthieu 16:3 appelle les signes du temps, ta semeia ton kairon. Quels sont ces signes que l'Évangile oppose au vain désir de connaître les aspects du ciel? Si l'histoire est avant-dernière par rapport au royaume, celui-ci, on l'a vu, à son lien d'abord et avant tout dans les temps qui restent, donc encore dans l'histoire. Vivre dans les temps du Messie exige donc la capacité de lire les signes de sa présence dans l'histoire, de reconnaître dans son cours la signature de l'économie du salut. Aux yeux des pères, mais aussi pour les philosophes qui ont réfléchi sous la philosophie de l'histoire, qui est et demeure, même chez Marx, une discipline essentiellement chrétienne, l'histoire s'est présentée comme un champ de tension parcouru par des courants opposés. Le premier, c'est celui que Paul, dans un passage célèbre de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, appelle « to katekon », c'est-à-dire les pouvoirs qui retient, qui diffère sans cesse la fin du monde tout au long de la ligne du temps chronologique, infini et homogène. L'autre, qui en mettant en tension l'origine et la fin, ne cesse d'interrompre et achever les temps. Appelons loi ou état la première polarité, vouée à l'économie, c'est-à-dire au gouvernement infini du monde. Et appelons messie ou église la deuxième, dont l'économie du salut est essentiellement finie. Une communauté humaine ne peut survivre que si ces deux polarités sont coprésentes, si une tension et une relation dialectique demeurent entre elles. Or, c'est justement cette tension qui est aujourd'hui brisée. Au fur et à mesure que la perception de l'économie du salut dans les temps historiques s'estompe dans l'Église,
On voit l'économie étendre sa domination aveugle et dérisoire sur tous les aspects de la vie sociale. Du même coup, l'exigence eschatologique que l'Église a délaissée revient sous une forme sécularisée et parodique dans les savoirs profanes, qui semblent rivaliser aujourd'hui pour prophétiser dans tous les domaines des catastrophes irréversibles. L'état de crise permanente que les gouvernements du monde proclament aujourd'hui est bien la parodie sécularisée de l'ajournement perpétuel du jugement dernier dans l'histoire de l'Église. À l'éclipse de l'expérience messianique de l'accomplissement de la loi et du temps, correspond une hypertrophie inouïe du droit qui prétend légiférer sur tout, mais qui trahit par un excès de légalité la perte de toute légitimité véritable. Je l'ai dit ici et maintenant en mesurant mes mots, aujourd'hui, il n'y a plus sur terre aucun pouvoir légitime, pas légal, légitime, et les puissants du monde sont tous eux-mêmes convaincus d'illégitimité. La juridification et la confusion entre ce que nous pouvons croire, espérer et aimer et ce que nous sommes tenus de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, marque non seulement la crise du droit et des États, mais aussi et surtout celle de l'Église. Car l'Église ne peut vivre qu'en se tenant en tant qu'institution en relation immédiate avec la fin de l'Église, c'est-à-dire avec le temps du Messie. En théologie chrétienne, il ne faut pas l'oublier, il n'y a qu'une seule institution qui ne connaîtra pas de fin et de désœuvrement, c'est l'enfer. On voit bien là, il me semble, que les modèles de la politique d'aujourd'hui, qui prétendent à une économie infinie du monde, est proprement infernal. Et si l'Église brise sa relation originelle avec la parroquia, elle ne peut que se perdre dans le temps. Voilà pourquoi la question que je suis venu poser ici, sans en avoir bien sûr pour le faire aucune autorité, si ce n'est qu'une habitude obstinée à lire les signes du temps, se résume en celle-ci. L'Église se décidera-t-elle à saisir sa chance historique et à renouer avec sa vocation messianique? Car le risque est que l'Église qui s'est perdue dans le temps soit elle-même entraînée dans la ruine qui menace tous les gouvernements et toutes les institutions de la terre. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. Bonjour à tous, bon carême à chacun. Avec des questions aussi fortes, nous voilà bien engagés dans une démarche. Et je voudrais, pendant ces quelques instants avec vous, poser cette question. Jésus, pour l'apôtre Paul, est-il le Messie d'Israël? Tenter d'y répondre, c'est regarder le Messie tel que Paul le contemplait, et par cela, essayer de revivre la transformation que Jésus, ressuscité, apparaissant à Paul, opéra sur la route de Damas. Transformation de l'histoire, transformation du temps et de l'expérience personnelle. Jésus est-il le Messie d'Israël? Une première lecture des textes de Paul fait penser que pour l'apôtre des nations, ce fut une évidence. Les mots Christ ou Messie reviennent constamment sous sa plume. Il ne parle que de lui et tente de rendre compte, page après page, de ce qu'est la vie en Christ. Pourtant, la réponse de l'apôtre Paul à cette question a évolué au cours de son itinéraire spirituel. Lorsqu'il était un jeune pharisien zélé pour la loi, en formation à Jérusalem, il répondait violemment à cette question. Non, Jésus ne peut pas être le Messie. À ses yeux, à l'époque, oser dire, oser envisager qu'un homme crucifié soit le Messie
constituait un blasphème dont la gravité n'avait d'égal que la virulence avec laquelle il combattit ses propos tenus par les disciples de Jésus. Comme pharisien, Saül attendait le Messie d'Israël. Cette expression est vague, tant elle recouvre des figures variées, tant elle nourrit des espérances nombreuses, voire contraires. Une des spécificités des pharisiens attribue au Messie le rôle eschatologique, un rôle pour la fin de l'histoire et l'entrée des justes dans la gloire de Dieu. Aussi, dans la Bible, c'est le livre de Daniel qui peut nous aider à comprendre ce que Saül entendait par l'expression « Messie d'Israël ». Le Messie d'Israël, c'est la gloire de Dieu qui prend un visage humain pour relever le peuple des saints du Très-Haut. Son rôle est donc de restaurer, de renouveler Israël dans sa dignité, dans l'Alliance, dans sa vocation de peuple de prêtre, dans la plénitude de son identité. Cette vocation, pour les pharisiens, est à vivre par tout le peuple, pas uniquement par les classes sacerdotales, mais par chacun des fils d'Abraham, dans toutes les dimensions de la vie quotidienne. Ainsi, peut-on dire schématiquement, pour la spiritualité pharisienne, la maison est un temple, la table un autel, et le repas quotidien une liturgie. C'est pourquoi fraction du pain et bénédiction de la coupe expriment cette attente du Messie qui permettra à Israël de vivre des fruits de la terre dans la paix. Ce rôle sanctificateur du Messie qui viendra restaurer la sainteté et la splendeur d'Israël rend insupportable aux oreilles d'un juif pieux l'identification de Jésus au Messie. Un crucifié est un maudit, une source d'impureté. Il est donc proprement scandaleux de penser qu'un crucifié puisse être la source de la bénédiction divine pour son peuple. Rien ne peut permettre de concevoir aujourd'hui le scandale que suscitait cette simple affirmation des disciples de Jésus. Celui qui fut crucifié sous Ponce Pilate, Jésus est le Messie. Ceux qui tiennent de tels propos, pensait Paul, doivent être sanctionnés vigoureusement et châtiés d'eux-mêmes. Aucune argumentation, aucune raison présentée par les disciples de Jésus ne pouvait rendre acceptable cette affirmation blasphématoire pour le jeune pharisien en route vers Damas. Que se passa-t-il sur cette fameuse route ? Une apparition du ressuscité, rien de moins, comme Thomas, Jean, Simon, Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, Saül voit le ressuscité, ainsi désigné par le Père, comme celui en qui toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui. Dès cet instant, Jésus fut pour Saül le Messie d'Israël. Mais cette profession de foi ne devait pas en rester là. À peine baptisé, Saül se lance dans une activité d'annonce de l'Évangile. Celui qui était attendu pour renouveler Israël dans l'Alliance est venu. En lui, la gloire de Dieu a épousé la nature humaine pour que les peuples des justes épousent la gloire divine. La figure du Fils de l'homme présentée par le prophète Daniel est certainement présente à l'esprit sans que l'on puisse savoir si elle était explicitement mentionnée. Elle va donner à la réflexion sur le Messie un élan, un mouvement dont l'apôtre des nations ne s'est parti jamais. Et cette trajectoire est explicitement déployée sous la plume de Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, les chapitres 8, verset 9. Le Messie, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que dans sa pauvreté, nous trouvions la richesse. Disciples de Jésus, nous devrions connaître tous cette phrase par cœur, en faire le foyer de notre méditation sur Jésus, le Messie. Le Messie, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que dans sa pauvreté, nous trouvions la richesse. Dans cette phrase, la pauvreté n'est pas la condition pécuniaire ou sociale de Jésus. S'il est une chose dont le Messie est riche, c'est uniquement de la gloire de Dieu, de l'immédiateté de sa relation avec le Père.
Ayant pris les traits d'un visage humain, le Messie s'appauvrit parce que cette éternelle relation à Dieu est maintenant vécue sans altération dans la médiation d'un corps. Aussi, notre corps, la fragilité, la pauvreté de notre corps peut devenir le lieu d'une relation filiale avec le Père. Lorsque Paul raconta l'événement de la route de Damas, il affirma que le Père révéla le Fils en lui. Le corps du crucifié ressuscité lui donna à voir jusqu'où, en Jésus, Dieu vécut la condition humaine. Présent devant Saül, Jésus offre de vivre en lui son existence, sa condition divine. Saül découvre la possibilité en Jésus d'une vie filiale, enfin accessible. Plus rien ne compte donc, sinon être fils du Père, de Jésus Messie. Et c'est ainsi que je comprends l'expression que le professeur nous a proposée il y a l'instant, la révocation de toute vocation. La liberté dont Paul fit preuve par la suite et dont il rendit compte dans ses écrits s'enracine là. Toutes les circonstances de la vie humaine sont une bonne occasion pour vivre sous le regard du Père. Dans la pauvreté d'une histoire marquée par une éducation et une culture, aussi riche soit-elle, dans la pauvreté d'une histoire marquée par la violence également, Saül découvrit la richesse d'une existence filiale, appauvrissant ainsi toute autre détermination de son existence. Le Messie, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que dans sa pauvreté, nous trouvions la richesse. Cette phrase est la clé de l'expérience et de toutes les affirmations de Paul dans ses lettres concernant le Messie. Aussi, pour bien les recevoir, il faut constamment tenter de les restituer dans ce double mouvement, descendant dans un premier temps, ascendant ensuite. Cela est particulièrement manifeste dans l'hymne aux Philippiens. Celui qui était de condition divine s'abaissa dans la condition de serviteur, afin que tous les êtres s'élèvent dans la louange à la gloire de Dieu, Père. La trame de ce double fond est biblique, le Fils de l'homme du prophète de Daniel, probablement. Le schéma de l'Exode, sûrement. La geste narrée dans le livre de l'Exode peut se résumer ainsi, au chapitre 6, les versets 6 et 8. Dieu descend pour voir. Connaissant la misère des Hébreux face à Pharaon, il revendique Israël comme étant son peuple, son patrimoine, son apanage. Il le délivre de l'esclavage et le conduit à travers la mer Rouge et le désert pour qu'il serve son nom afin de l'introduire dans la Terre Sainte. Certaines de ces expressions relèvent du vocabulaire nuptial, la connaissance, conduire dans la demeure principalement. Cette terminologie semble s'être imposée rapidement pour parler de Jésus. Dans la deuxième aux Corinthiens, Paul affirme avoir présenté à l'Église, qui est à Corinthe, comme une fiancée devant le Messie. Ainsi, pour Paul, en Jésus, Dieu a épousé la nature humaine afin que les humains épousent la nature divine. Il a épousé la prière des pécheurs, celle des psaumes notamment, afin que les pécheurs épousent sa louange filiale, également avec les psaumes. Si les affirmations pauliniennes sur Jésus conservent un substrat biblique, progressivement, elles reçoivent une forme toujours plus universelle et le vocabulaire matrimonial indique déjà une orientation en ce sens. La mission envers les païens rendit nécessaire cette évolution qui ne perdit jamais de vue ce double mouvement dont rend compte cette phrase insuffisamment connue « Le Messie, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que dans sa pauvreté nous trouvions la richesse ». On peut la comprendre ainsi, l'Éternel a connu la pauvreté de la succession des instants pour que le temps puisse devenir une dimension de l'éternité, qu'il puisse se contracter et nous offrir l'expérience de ce temps messianique dont nous venons d'entendre parler. Mais encore une fois, cette phrase de saint Paul doit guider toute recherche dans la signification des autres phrases par lesquelles Paul tente de rendre compte de la transformation que le Messie a opérée. Par exemple, Christ nous a arrachés à la malédiction de la loi, devenant pour nous malédiction. Avec la référence à la loi, Paul ne s'éloigne pas de l'héritage d'Israël, mais par le vocabulaire de la malédiction et son corollaire de bénédiction,
Il présente la croix dans une acception plus universelle, même si aujourd'hui nous avons oublié ce que signifie être maudit. Ce terme pourtant dit simplement, comme son étymologie le suggère, que la vie est maldite. Le Messie sur la croix a épousé nos malédictions. Il a pris le visage afin que dans cette malédiction de la croix, nous trouvions la bénédiction, la bonne parole, le oui de Dieu à toutes ses promesses. La croix fait vraiment des êtres humains des créatures nouvelles. Une lueur d'espoir brille pour tous les hommes, je le crois, tous ceux dont le corps est malade ou méprisé, tous ceux dont le corps n'est pas regardé, tous ceux dont la voix est oubliée, tous ceux dont le corps crie silencieusement le désir de vivre. Leur vie est sans intérêt à tous les yeux, eux qu'on dit et qui se disent parfois eux-mêmes maudits, défigurés. Mais le Messie nous arrache à la malédiction, son corps maudit est la parole définitive du Père, ce oui que nul n'espérait plus. Cette transformation est à nouveau décrite dans une autre phrase qui sonne étrangement à nos oreilles. Jésus, Messie, lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour que nous soyons justifiés en lui. Ici encore, le double mouvement de la pensée est présent. Jésus, le Messie juste, est devenu péché sans commettre le moindre péché pour que les pécheurs acquièrent cette justice qu'attend le Père. Paul emploie, comme dans la lettre aux Galates, une figure de style par laquelle il désigne la conséquence, c'est-à-dire le Messie crucifié, par la cause, le péché des hommes. En parlant ainsi, Paul oblige le lecteur à ne jamais s'habituer au scandale de la croix. À chaque fois que celui-ci réentend la phrase, il se voit contraint de reprendre le raisonnement par lequel Paul affirme qu'en contemplant Jésus crucifié, les êtres humains sont en face de leur propre péché, de leur propre complicité, à manquer l'amour et l'espérance. La croix sanctionne l'échec de la vie humaine afin que les humains retrouvent la juste position filiale au regard de Dieu, Père. Il y a un espace entre Dieu et les humains, un écart abyssal interne à Dieu lui-même qui rend possible la relation entre Dieu et les hommes. Cet espace est appelé la sagesse par les maîtres d'Israël. La possibilité humaine de tenir en présence de Dieu est uniquement le fruit de la sagesse de la croix. La croix vient marquer l'incapacité humaine à tenir par soi-même devant le Créateur. En sanctionnant ainsi la situation humaine, la croix ouvre la possibilité d'accueillir la gratuité par laquelle Dieu, dans sa sagesse, fait tenir sous son regard les hommes et les femmes qu'il lui a plu de créer. C'est ainsi que pour Paul s'impose l'affirmation selon laquelle le Messie est l'image de Dieu. Cette expression biblique désigne à la fois le premier humain et la sagesse de Dieu. En employant cette expression, mais en disant également que Jésus est devenu pour nous sagesse de Dieu, Paul affirme que Jésus, le crucifié Messie, est la vérité de l'œuvre de Dieu pour les hommes. Image de Dieu, Jésus est également le dernier Adam, l'Adam spirituel, celui qui donne la vie. Il est l'image de ce que l'humanité est aux yeux de Dieu. Jésus, le crucifié Messie, maudit sur la croix, devenu péché sans commettre le péché, établit par la croix la vérité de la relation et de l'existence humaine sous le regard du Père. Jésus, ressuscité, est bien le portrait de l'homme nouveau, recréé par le baptême, à l'image de ce que le Père espérait en créant l'homme et la femme. Tous les hommes, juifs comme païens, cherchent une sagesse. C'est-à-dire le mot, la parole, aujourd'hui on dirait l'équation qui résumera tout l'univers et contiendra le cosmos. Il n'y a plus à chercher. En Jésus Messie, nous avons le oui de Dieu à toutes ses promesses. Nous avons le dernier mot de Dieu à son œuvre. L'ultime coup de crayon, le trait de génie de l'artiste qui donne sens à toute son œuvre, qui la récapitule.
Jésus est le secret de l'existence, secret qui n'est pas à chercher derrière l'homme, dans son passé, il est dans l'avenir, caché sur le visage de Jésus Messie. En présentant ainsi Jésus, Paul propose une foi exigeante, parce qu'elle invite à chercher en dehors de soi, en dehors de ce monde, le sens de notre existence. Pour exprimer ce mouvement par lequel le Messie, telle la sagesse divine, vient épouser ce qu'il n'est pas, Paul a recours à un style qui déconcerte, qui oblige le lecteur à se mettre en quête. La geste du Messie et son œuvre dans le cœur des hommes reste insaisissable, insondable, comme la sagesse même de Dieu. Jésus est-il le Messie d'Israël ? Après l'avoir nié violemment, on l'a montré, Paul le reconnaît. Et dans un premier temps, cette affirmation est au cœur de sa méditation, prédication. Sous sa plume, le mot de Messie ne devient jamais un surnom ou l'équivalent d'un nom propre. Il est toujours employé pour dire la mission que Jésus accomplit, obéissant au Père. Pourtant, progressivement, le rôle de Jésus va être présenté sous un jour moins national, plus universel. Messie d'Israël, Jésus est progressivement nommé et compris comme le Sauveur des hommes. Ce travail théologique culmine dans la comparaison de Jésus avec le premier être humain. Au fil des lettres, Paul prit soin de développer les implications de ce parallélisme. Mais le plus important de tout reste ce que Paul, bien trop pudique pour le raconter, ne dévoila que fort peu. Le plus important, ce fut son désir, qu'il l'habita depuis la rencontre sur la route de Damas, que Messie vive en lui, que Christ vive en lui, que l'amour et que l'espérance du crucifié pour le monde vivent en lui. Monsieur le professeur, mon cher Éric, vous nous avez permis d'entrer dans une compréhension renouvelée et très riche de la messianité de Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, pour faire entrer l'homme tout entier dans l'offrande de sa vie en action de grâce à Dieu. Vos propos nous aident à saisir comment la vie chrétienne permet une solidarité plus réelle et plus grande avec les réalités de ce temps, de ce monde, en raison même de leur accomplissement dans le Christ, et je vous en remercie vivement. Ceux qui le souhaitent pourront ce soir retrouver le père Éric Morin à partir de 20h45 au Collège des Bernardins, ou en direct sur la télévision catholique KTO et sur Radio Notre-Dame, pour un débat où il dialoguera avec le père Rafik Nara, spécialiste de la pensée juive, et avec le public et les auditeurs. Malheureusement, le professeur Agamben doit nous quitter pour rejoindre l'Italie et son devoir d'État. La semaine prochaine, Madame Chantal Delsol, philosophe, et le père André-Marie Ponou de Lafont donneront la troisième conférence de Carême sur le thème de l'universalité dans la pensée de saint Paul, un seul Seigneur pour tous les peuples. Monsieur le maire, chers amis, je redis encore en votre nom toute ma gratitude au professeur Agamben et au père Morin, et je vous remercie de votre attention.